Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de Noël. Okay, so family, today we are back for another video. It's Christmas time, so today we are cleaning and we are decorating the living room and the dining room. Et comme vous avez pu le constater, j'ai ce gros sapin qui est là. Donc cette année, je voulais vraiment avoir un sapin nature, un vrai sapin en fait. C'est ma première fois d'avoir un vrai sapin, donc nous sommes allés vraiment le couper nous-mêmes. On a fait une activité familiale ce jour-là. On avait fait une activité familiale ce jour. On est allé couper le sapin. On a pris du chocolat chaud, du apple cider tea. I mean, c'était vraiment fun. On était vraiment allé au tree farm, donc vraiment à la, comment on appelle ça, comme plantation de sapin. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est une belle activité familiale. Et puis on a trouvé ce sapin. Je vous assure, je ne le trouvais pas aussi grand jusqu'à ce qu'on le rentre dans la maison. Et pour vous dire qu'on a dû couper encore un peu le bas, donc il n'était pas encore fait. Donc mon sapin n'était pas encore décoré pendant que je faisais cette vidéo. Donc voici les choses que nous allons utiliser pour la vidéo. Ben, on ne va pas tout utiliser. Il y a des choses que j'avais déjà enlevées de la table et puis de tout ça. Donc c'est ça mes couleurs cette année. Je pense vous l'avoir déjà dit, je fais du rose qui était ma couleur de l'année dernière, donc du rose, du vert et puis du gold. Donc cette année j'ai juste ajouté du vert. Et puis pour les coussins, j'ai juste changé les housses en fait. J'ai juste acheté les housses, je pense je les ai achetées chez JYSK. Le magasin, si vous êtes au Canada, du YSK, je pense que je les ai achetés à 8 $ par housse. Donc, du coup, c'est bon parce que je n'accumule pas beaucoup de coussins. J'ai juste les housses que je fais que plier pour ranger. Et je pense bien, c'est Vanessa qui recommandait ces housses. En fait, ce qu'elle recommandait était un peu plus petit que ce que j'ai acheté, mais c'est bon, pareil, je préfère aussi ceci parce que ça va avec vraiment la taille de mes coussins. Et vous vous souvenez de ce coussin, du coussin du milieu, Joy, quand j'étais allée à HomeSense, je vous le montrais, je disais que je l'aimais vraiment, alors là, c'était mon coup de cœur. Et je m'étais dit, ben, si je retourne au magasin, je le trouve, je vais sûrement le prendre. Et lo and behold, yes, I found it. Donc, je l'ai retrouvé à HomeSense et puis j'ai eu un discount dessus. Vous imaginez? And now we are doing this bouquet. I achieved this bouquet last year. I was inspired by a girl on Instagram. And then I did that last year. You can check my Instagram. I'll put my Instagram here. So you can check how I achieved. This is very simple, very, very simple. As you can see, those are those kebab sticks and then just the balloons. And honestly, it's very easy to achieve. Donc, ce sont les bâtons de kebab avec les ballons, les boules de Noël. C'est vraiment facile à faire. Je l'ai fait l'année dernière. Donc, il est sur mon Instagram. Donc, je mets mon nom de Instagram ici. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et vous allez pouvoir voir comment j'ai achieve ce bouquet. Je l'adore. Je l'ai fait l'année dernière. Donc, j'ai juste rangé et puis cette année j'ai juste remis dans le pot. Franchement rien de spécial là-dessus, je n'ai pas refait quoi. Donc j'ai cette lampe, tout ce qui est là, ça ce sont des choses de l'année dernière, j'ai rien acheté de nouveau. So these are my decorations from last year. You guys already know this tray. So that is my to-go tree. And as you can see, or as you can imagine, I love gold. Donc, moi, j'aime beaucoup l'or. C'est ça. For some reason, je ne sais pas. Et aussi, le fait que ma table, elle est comme or, entre guillemets. Donc, c'est beaucoup plus facile de matcher ça comme ça. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est dans le plateau, c'est ce que j'avais l'année dernière, rien de nouveau. Et puis, je n'avais pas allumé cette bougie l'année dernière. Je l'avais juste mise comme décoration, mais j'ai l'intention de l'allumer parce qu'elles sont très, très bonnes. C'est vraiment bon. Donc, c'est ça. J'avais ce panier, I had this basket, I wanted to put it there, but I realized it was going to be a bit too much because I have my plant at the back. Donc, j'ai ma plante en arrière. The basket it becomes too busy. Donc, j'ai décidé de l'enlever. Et de mettre juste le jeté. Et là, je l'ai mis là. Et puis, ma nièce a suggéré que, ben, que je le mette plutôt de l'autre côté parce que rose, rose, ça faisait un peu trop. Donc, je l'ai mis sur l'autre manche de la chaise. Donc, vous allez voir dans quelques secondes.
Donc, je l'ai mis sur ce côté ici et puis c'est comme ça que j'ai lissé. Et par la suite, je vais mettre mes décorations sur la deuxième, la partie du bas de la table. Donc, ici, ce panier, je l'ai eu au Value Village pour 1,99$. Donc, 1,99$, this one, I got it from Value Village. Je l'adore aussi, c'est vraiment un beau verre. Je voulais vraiment des verres différents, en fait. Different shades of green. Donc, ça, je le mets là. Et puis, je vais mettre deux ornements en or que j'ai de l'autre côté, que je l'ai déjà dans ma déco, quoi, ceux-ci. Donc, je les ai déjà dans ma déco. Je pense que je les avais achetés l'année dernière ou il y a un an et demi. Je pense beaucoup plus l'année dernière à HomeSense, je pense bien. Donc, et ça fait le tour. Non, ça fait pas le tour. Je vais aussi rajouter ceci. J'ai acheté ces boules au Dollar Store. Juste ajouter un peu de green. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour ma déco d'automne. Je vais juste rajouter un peu de green pour faire façon encore un autre shade of green. Et puis, c'est tout. C'est tout pour le salon. Donc, c'est à peu près ça. Donc, let me know what you think. Moi, j'aime bien. Je trouve ça simple, beau. Je ne veux pas que ce soit trop chargé de ce côté, sinon ça rend la pièce un peu plus petite. Et puis, je me suis acheté ce tapis chez Structube. Et je l'ai eu pendant le Boxing. Non, pas Boxing Day. Oh, je suis déjà Boxing Day. Je l'ai eu pendant le Black Friday. À 120$, je pense que ça coûtait. Un truc comme ça. Mais vraiment, moins, je pense que c'était moins de 150$. C'est ça. Et puis là, on va passer à la salle à manger. Je vais juste nettoyer. I'm just gonna clean the table because of all those shiny stuff on the table, you know. So, je vais juste nettoyer la table vite fait. Et je vais faire mon pot de fleurs, en fait mon pot de sapin. Et comme c'était un sapin tout frais, donc il a besoin de beaucoup, beaucoup d'eau. Donc ce sapin, même le sapin, comme vous avez vu de l'autre côté, j'ai pas encore décoré, j'ai même pas encore mis la jupe. Tout ce que je fais, c'est juste de mettre de l'eau. Donc, pareil pour essayer. C'est la branche. Je vais utiliser la branche du sapin que nous avons cueilli. Donc, vous voyez ça? Ça, c'est une partie du sapin que nous avons cueilli. Comme je vous disais, on a dû enlever quelques branches parce qu'il est vraiment grand ce sapin-là. So, je vais utiliser cela pour mon bouquet. So, I will use that for my bouquet. So, vous pouvez juste suivre. Là, je fais juste nettoyer les déchets, les débris de sapin et je vais mettre ces fleurs artificielles que j'ai achetées sur Marketplace, sur Facebook. C'était 10$ la fleur. Généralement, au Michael, je pense qu'elle se vend à 40$. Je trouve que c'est une bonne affaire et surtout que je peux les utiliser en tout temps pour toute occasion. Donc, vous l'avez, et puis ces bougeoirs, ces porte-bougies, je les ai achetées au Value Village. Les longs là que vous voyez, je les ai achetés à je pense 2,99 le porte-bougie. Et puis il y a des plus petits que vous voyez sur la table là, eux ils étaient 1,99. J'ai vraiment aimé et encore toujours mes deals au Value Village. J'ai vraiment aimé. Et puis les petits deals là, je les ai achetés au Dollar Store à je pense bien qu'ils sont 1,99$, je pense bien. Donc, c'est ça. Je vous conseille pour la déco, franchement, faut pas toujours, on n'a pas tout le temps besoin de briser la banque. Et puis, vous voyez mes Red Deers que j'ai pris chez HomeSense. Vous vous souvenez, il y en avait un qui était brisé.
qui m'ont donné pour 8 $. Donc j'avais trouvé l'autre. Donc c'est ça. Juste pour faire une petite touche de rouge, pour faire un peu différent. Parce que le timbrement de ma table, c'est vraiment comme une forêt, quoi. Comme dans les bois, genre. Donc c'est à peu près ça. Et mes bougies m'ont donné un peu de fil à retordre parce qu'elles sont rondes en dessous. Donc elles tombaient. J'ai mis du tape. Ça fonctionnait pas. J'ai dû mettre du sable. Je vais vous montrer tantôt. Mais juste pour vous dire, franchement, comme je disais pour la déco, let's not break the bank for that. Those are, the things that we use for a season and after we put it away. So, je pense qu'il faut vraiment chercher des bons deals. Si vous pouvez, si vous avez les moyens de les acheter expensive, go for it. Mais si c'est que vous voulez quand même une belle déco, franchement, vous pouvez aller au Value Village, vous pouvez aller dans le store, vous pouvez aller un peu partout, au HomeSense, vous mélangez en fait. Moi, ce que je fais, je mélange. Hein. Je mélange HomeSense, Michaels, Dollar Store, and any other store, Structube. Je mélange tout vraiment. Mais Dollar Store et puis Value Village, je trouve toujours de bonnes choses. Ça, je vous le garantis. Donc, c'est à peu près ça. Donc, et puis là, je vais appuyer par la suite, je vais mettre des lumières sur la table. Et oui, j'avais trouvé certaines lumières au Value Village. C'est juste que j'ai pris celle en couleur que j'ai pas trop aimée pour la table. Donc, j'ai décidé de laisser juste les lumières blanches sur la table et mettre les lumières couleur sur la console. Donc, c'est à peu près ça. J'espère que cette vidéo vous motive, que vous avez pris une ou deux petites astuces de ma part. Parce qu'en fait, c'est le point de mes vidéos. C'est vraiment pour encourager, pour motiver, pour vous donner des petites idées. Donc, j'espère que vous avez obtenu une ou deux idées pendant cette décoration. Okay? Et parlant de Noël, où est-ce que vous en êtes? Where are you with your Christmas shopping? Do you already have your Christmas menu? What are you eating? What are you cooking? I can't wait to see those videos or those comments regarding your menu, your Christmas menu. Donc, j'ai hâte de voir c'est quoi vos menus de Noël. Moi, je pense que je vais faire comme d'hab, rien de nouveau. Juste qu'il faut déjà que je commence à préparer mes appetizers et puis mes desserts. So I would like to start making my appetizers and some desserts. Those that I can make ahead of time. And yep, and that will be Christmas, you know. It's a time to celebrate. It's been a rough year, so I'm really intending to really celebrate. And I'm telling you, I really want to celebrate this Christmas. Donc j'aimerais vraiment célébrer ce Noël. Ça a été une année très 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 difficile pour moi. Donc, j'ai vraiment l'intention de célébrer la fin d'année tout en espérant que 2023 vienne avec beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Donc, voici ce que ça donne dans la nuit quand tout est noir, quand tout est éteint. Donc, j'aime bien le rendu. En fait, c'est cet effet que je voulais. This is what I wanted to see. I love it. Let me know in the comment section what you think. Should I remove something? Is it too much? Is it, do I need to add something? Let me know. And I hope you were inspired by this video. And I know I did not introduce myself. Forgive me. I'm MC. Here we talk about decor. Like today's video, we talk about cooking and cleaning motivation. Like, you know, cooking and cleaning motivations, relationships, family, like everything that has to do with the family. We talk about it here. Donc, sur cette chaîne, je sais, je ne me suis pas introduite, présentée. Moi, c'est MC. Ici, nous parlons de la déco comme aujourd'hui, de la motivation ménage, cuisine, relations, famille, tout ce qui est famille, on parle ici. Donc, si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi sur la page. So, do not hesitate. Go ahead and subscribe to the channel. Like the video, share with friends and family. And I will see you in my next video. Donc, je vais vous revoir dans ma prochaine vidéo. Merci encore d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner. Ok? Ciao, ciao!